achat inhabituel pour Apple puisqu'il va probablement acquérir le groupe Beats Electronics, fondé notamment par le rappeur Dr. Dre, qui commercialise les casques audio du même nom. Apple n'a pas l'habitude d'investir de telles sommes, on parle de 2,3 milliards d'euros malgré son immense trésor de guerre. Ceci dit, Apple va profiter de la clientèle de Dr. Dre qui dépense en moyenne 200 euros pour un casque. Ensuite, en rachetant Beats Electronics, Apple met également la main sur son service de musique en streaming, une pratique d'écoute qui a pris le pas sur l'achat de musique en ligne au coup par coup chez les internautes.